Bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour notre émission politique spéciale, puisque je vous l'avais annoncé. Ce soir, je reçois Monsieur le Préfet de la région Guadeloupe. Avec lui, donc, nous ferons un petit tour de l'actualité, des sujets aussi qui sont brûlants, un petit bilan de l'année 2020. Et bien sûr, vous aurez l'occasion de lui poser quelques questions en fin d'émission. Donc, je vous demanderai d'être précis, pas trop long, pour que nous puissions récupérer un petit peu plus d'appels que la dernière fois. Monsieur le Préfet, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci beaucoup de votre invitation. Voilà, donc vous avez l'occasion d'adresser vos voeux à cette population guadeloupéenne et ça sera en quelques minutes. Alors, je l'ai fait, hein, vous avez peut-être vu, oui. je me suis adressé, donc mes voeux... Mais sur ce plateau, ça mais sur ce plateau, c'est la première fois et je le fais. Et je le fais bien volontiers et de façon très amicale pour l'ensemble des gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Moi, si j'ai un seul mot à dire pour cette année 2021, en dehors de tout ce que j'ai pu dire et ce que tout le monde pense, c'est de retrouver de la sérénité et notamment de la sérénité dans notre gestion de la crise sanitaire. Je crois que voilà, 2021 doit être pour nous tous, en Guadeloupe comme ailleurs, une année qui va nous permettre de passer au-delà de cette crise sanitaire, de cette épidémie, pour que demain nous puissions à nouveau retrouver des activités, une vie sociale, un vivre ensemble plus normal et plus classique. Voilà, un vivre ensemble plus normal et plus classique. Alors, est-ce qu'on peut penser après cette année 2020 à une vie normale ou plus normale ? Je ne sais pas. Alors, en disant ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'une vie normale ? C'est compliqué de le savoir. Enfin, une vie qu'on avait l'habitude de vivre, qui sera évidemment jamais la même que celle qu'on a vécue avant la crise Covid, c'est à peu près clair. On aura des réflexes qui vont demeurer. Je pense qu'on aura perdu des proches, on a perdu des gens, on est forcément dans des situations de deuil et de tristesse, mais en même temps, il faut qu'on regarde le devant. Et donc, toute la campagne qu'on est en train de faire aujourd'hui de vaccination, c'est vraiment ça, c'est aller devant, montrer qu'il y a une solution qui existe pour passer au-delà de cette crise sanitaire qui est aujourd'hui la vaccination, mais surtout de se projeter sur ce qu'on pourra faire ensuite. Nous parlerons d'ici quelques instants de cette campagne de vaccination. Avant tout, quelle a été votre plus grande difficulté en 2020 ? Ça reboucle avec ce que je viens de dire avant. C'est vraiment vraisemblablement la gestion de la crise Covid. Je suis arrivé ici, vous vous souvenez, le 10 août. En dehors de mon cas personnel, parce que ça, c'est autre chose. Mais voilà, je suis arrivé le 10 août à un moment où les chiffres commençaient à remonter à la hausse. On avait connu ici, comme ailleurs, d'ailleurs en juin, juillet, plutôt une période dans laquelle on avait des chiffres qui étaient bas. Le virus semblait être atténué, en tout cas de façon forte. Et puis petit à petit, en août, c'est remonté. Et puis ensuite, j'ai dû affronter, avec tout le monde ici, hein, ça a été évidemment un travail et un engagement collectif majeur, cette crise Covid qui nous a conduit en septembre-octobre à avoir des chiffres très très élevés, avoir beaucoup de gens hospitalisés, avoir un système hospitalier qui commençait à arriver à saturation. On a même eu des renforts de l'Hexagone, vous vous souvenez, du service de santé, oui, des armées, d'avoir beaucoup de gens qui sont décédés, donc beaucoup de tristesse dans cette gestion de crise. Et en même temps, on a réussi tous ensemble, grâce à une mobilisation très forte, à un travail très, très resserré que j'ai pu conduire avec les services de l'État, mais surtout avec les collectivités et les élus, puisque c'est avec eux qu'on a bâti ces plans, et avec la population qui a été résiliente. Ça, on a l'habitude de le dire, des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens, mais surtout qui a été sage, c'est-à-dire qui a appliqué les méthodes parce qu'elle a compris ce qu'on leur préconisait, parce qu'elle a compris, je pense, que c'était comme ça qu'on pouvait passer cette difficulté. Et on est arrivé à la période de Noël avec toujours un masque, avec toujours des gestes barrières, mais en tout cas avec un niveau de virus qui était plus faible. Vous avez parlé du Covid, mais au-delà, il y a eu des dossiers quand même assez brûlants à gérer, notamment celui de la Chambre de métier et de l'artisanat. Vous avez eu des décisions difficiles à prendre en 2020. C'est jamais très simple de dissoudre une chambre, considérant qu'elle ne fonctionne plus. Mais il faut le faire, ça fait partie de mon métier, concrètement, de constater qu'il y a des choses qui marchent et puis d'autres qui ne marchent pas. Et quand ça ne marche pas, il faut qu'on essaye de trouver des solutions. Je crois que toutes les solutions de dialogue avaient été lancées par mon prédécesseur et puis ensuite par les équipes qui étaient là. On a constaté que ça ne pouvait plus fonctionner, donc on est passé à l'étape d'après, qui est jamais une étape très simple, mais qui, j'espère, sera une étape de reconstruction.
C'est-à-dire qu'on a dissous et on va attendre les élections qui interviendront en octobre ou novembre prochain au sein de la Chambre. Et on renouvellera ainsi la Chambre en espérant retrouver une majorité et retrouver une équipe qui pourra la diriger. Lorsque vous êtes arrivé en Guadeloupe, est-ce que vous aviez vraiment le sentiment de devoir gérer autant de dossiers brûlants, autant de difficultés? Il y a eu aussi l'eau, il y a encore l'eau. Alors est-ce que vous vous attendiez à cela? En fait, on se prépare un petit peu quand on arrive et quand on m'a pas annoncé du jour au lendemain que je risquais d'être nommé préfet de la Guadeloupe. Je m'y étais préparé. J'avais eu des contacts aussi avec mon prédécesseur qui de plus est resté très lié au sujet guadeloupéen, comme vous le savez, puisqu'il est au ministère des Outre-mer. Et puis je me suis renseigné, j'ai travaillé. Donc je savais quels étaient les grands sujets, les grands enjeux. Ce que j'ai découvert, en revanche, c'est les gens avec lesquels je travaille. Ça, pour le coup, oui, c'est une découverte dans mes équipes, mais aussi tous les élus avec lesquels je travaille, toute la population que je rencontre et que je côtoie. Et ça, c'est plutôt du positif. C'est concrètement... Et ça, on ne le prépare pas quand on prépare les dossiers. On sait qu'on a des questions difficiles qui arrivent, mais en revanche, on ne sait pas comment on va avoir à les gérer, avec qui on va avoir à les gérer, et si on va bien s'entendre avec les gens. Et moi, je suis très content de la façon dont, aujourd'hui, en tout cas, l'année 2020 s'est terminée dans mes relations avec les élus, avec tous les partenaires que je peux avoir. Vous avez eu le sentiment du devoir accompli? Ah non, pas encore. Ça fait même pas 6 mois que je suis ici, je peux pas avoir ce sentiment. J'ai le sentiment de rentrer dans les dossiers, oui, ça, de rentrer dans les sujets et d'imaginer qu'on va pouvoir résoudre un certain nombre de sujets. Vous avez parlé du sujet de l'eau, je pense que 2021 sera l'année où il faudra. Le ministre des Outre-mer qui était ici présent le dernier jour de l'année 2020 l'a bien dit. 2021, c'est vraiment l'année pendant laquelle il faut déboucher sur ce sujet majeur de la gouvernance de l'eau potable et de l'assainissement en Guadeloupe. Oui. Alors on a l'impression quand même que c'est un accouchement au forceps. C'est un accouchement qui est difficile. Parce que votre prédécesseur avait déjà pris à bras le corps ce dossier. Il s'était donné des échéances. On peut dire que ça n'a pas vraiment fonctionné. Alors, on se dit, est-ce que vous y arriverez puisque, bon, ça rame. Oui, c'est compliqué, mais là, il y a une conjonction de planètes, j'ai l'impression, avec des volontés qui sont en train de s'affirmer. Il y a deux voies qui sont en train de se créer. Vous savez qu'on parle du syndicat mixte ouvert qui doit voir le jour absolument en 2021. Mais au-delà de ce syndicat mixte ouvert, une fois qu'on aura créé cette structure, il faudra ensuite voir comment ça va fonctionner à l'intérieur. Donc il y a énormément de travail qui doit être lancé. Il y a deux voies qui sont ouvertes. Il y a la voie législative, portée par la députée Justine Bédin et le sénateur Théophile. Il y a des audiences en ce moment, là, pendant les 15 jours, à l'Assemblée nationale. Et puis, ça sera porté à l'Assemblée nationale à la fin de ce mois-ci. Donc, ça, c'est la première voie. La deuxième, c'est celle des collectivités qui sont en train de se regrouper pour avoir un projet commun. Il y a juste aujourd'hui, ce sont toutes les collectivités sauf une. Donc on voit que les deux voies sont encore nécessaires, parce que si on ne parvient pas à avoir toutes les collectivités derrière ce projet et sur ce projet, on sera obligé, bien sûr, de passer par la loi, comme l'a dit le ministre. Alors on a vu que le président de Cap Excellence a pris ce dossier après la visite du ministre, a pris ce dossier encore plus à bras le corps. Est-ce qu'on peut dire que les propos du ministre des Outre-mer a renforcé Éric Jalton, qui n'a cessé de dire il faut vraiment que nous puissions tout mettre sur la table, tout penser pour que cette structure soit viable. Alors on a vu qu'il a initié après cette visite déjà une rencontre. Donc on peut dire qu'Éric Jalton a été le vrai moteur de cette affaire. Éric Jalton est un des moteurs. On a la visite du ministre et les courriers du ministre ont aussi provoqué tout le travail qui est fait par les autres collectivités, la région, le département, les EPCI sauf CAPEX, qui aussi travaillent sur le sujet. Donc on voit que ça, il y a eu un effet de cristallisation. Ça a permis de faire déboucher du sujet. Le point est que maintenant, il faut que ces deux options se convergent, parce que on le sait très bien, ça ne peut fonctionner demain que si toutes les collectivités sont réunies derrière cette structure de gouvernance qui devra être unique pour l'ensemble de la Guadeloupe, mis à part Marie-Galante, qui pourra être gérée de façon particulière. Le ministre des Outre-mer a dit « Je serai en Guadeloupe en février » et à ce moment-là, il faudra vraiment une date pour la dissolution du SIAG. Donc là, vraiment, on va dire, ça sera une date définitive pour cette dissolution.
Concrètement, le ministre a dit qu'il revenait effectivement en février. À la mi-février, il sera présent à nouveau pour refaire un point. Ça montre bien aussi des étapes que le ministre s'est fixées. Il sera présent ici pour traiter beaucoup de sujets. On aura l'occasion de traiter d'autres problématiques avec lui. Mais le sujet de l'eau sera évidemment un sujet majeur. D'ailleurs, quand il s'est déplacé le 31 décembre dernier, le sujet qui a émergé dans le travail avec les élus qui sont venus à sa rencontre à la sous-préfecture, c'était le sujet de l'eau, qui était le sujet principal. Il a effectivement indiqué dans son courrier qu'il a envoyé à l'ensemble des collectivités que quand il reviendrait, il faudrait fixer définitivement le calendrier et vérifier l'atteinte de tous les objectifs qui se sont fixés afin que le SMO soit créé en septembre 2021. Est-ce qu'on peut dire, monsieur le préfet, et cela en toute transparence, que cette visite du ministre a quand même créé quelques remous au sein de nos élus, notamment des présidents des collectivités majeures? Alors, est-ce qu'il fallait venir? Est-ce qu'il ne fallait pas? Une date qui n'avait pas été annoncée. Alors, à ce moment-là, est-ce que vous avez, vous êtes positionné sur cette question, une visite du ministre le 31 décembre, ça... Mais le ministre, on n'a pas vraiment compris le pourquoi de la chose. Alors, le ministre, il a bien expliqué pourquoi il venait le 31 décembre. Il est venu notamment parce qu'il n'était pas revenu aux Antilles depuis qu'il avait été nommé ministre, donc c'était il y a 6 mois. Il est venu le 31 décembre parce que cette date, quand on est ministre, quand on est représentant de l'État dans un territoire, est extrêmement importante puisque c'est une date dans laquelle les forces de police, de gendarmerie, les pompiers, les secours sont fortement mobilisés et c'est ça qu'il est venu saluer, notamment en Guadeloupe, et il en a profité aussi pour rencontrer les élus et parler de sujets de fond. Donc concrètement, sa visite, elle avait ce but, c'était de vérifier et de venir soutenir l'ensemble des services qui luttent et veillent pour l'ensemble des sujets de sécurité le 31 décembre dans une ambiance Covid avec, comme vous le savez, un couvre-feu particulier qui avait été instauré. D'accord. En avez-vous discuté avec le président de région après ? Oui, bien sûr. Ouais. Tout est rentré dans l'ordre. Je lui laisse le soin de le qualifier de cette façon. En tout cas, moi, je suis en contact avec toutes les collectivités, oui. D'accord. Maintenant, on a vu un petit peu ce sujet de l'eau, on espère, qui va trouver, on va dire, une solution en 2021. La population attend justement mais cette solution et vous avez bon espoir que ça se fasse, donc ça sera une bonne nouvelle et le meilleur cadeau qu'on pourrait offrir aux Guadeloupéens en 2021. C'est certain. D'ailleurs, on ne traite pas le sujet de l'eau sans penser à l'objet final. L'objet final, c'est que l'eau qui tombe, il pleuvait aujourd'hui beaucoup sur Basse-Terre encore, l'eau qui tombe là arrive dans les tuyaux et arrive jusqu'au robinet des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens. Je crois que c'est ça l'enjeu majeur. Je pense que tout le monde l'a compris aujourd'hui. En tout cas, ceux qui ne l'avaient pas compris ont bien saisi que le sujet, c'est vraiment la distribution de l'eau. D'ailleurs, le point sur les en usagers... En qualité et en quantité. En qualité et en quantité. Et je devrais même ajouter, c'est aussi l'assainissement, c'est-à-dire aussi l'évacuation ensuite, parce que là aussi, c'est un chantier majeur qui doit être ouvert. Tout ça nous ramène aux usagers. Je pense que c'est important que les usagers soient au cœur de la réflexion pour la suite, parce qu'il est indispensable qu'on prenne en compte cet aspect qualitatif que les usagers nécessairement doivent porter et ont besoin d'être au courant de la façon dont tout ça va être conduit. Alors, il y a aussi un débat sur la facturation et on a vu des personnes âgées qui disaient avoir reçu des factures énormes et qui se disaient comment on va faire pour payer ces factures, on ne comprend pas, on a toujours payé. Donc est-ce qu'il n'y a pas un petit peu quand même de précipitation au niveau de cette facturation et puis de cacophonie aussi? Vous savez, la gestion de l'eau, c'est une gestion complexe. C'est évidemment gérer la ressource en eau, la distribution en eau et le fait que l'eau arrive dans les robinets, mais c'est aussi gérer les abonnements, c'est aussi gérer la relation avec les clients. Et tout ça est complètement déficitaire. C'est-à-dire que ça ne fonctionne plus, quelles que soient les structures qui les gèrent aujourd'hui. On parlait du SIAC tout à l'heure, prenons l'exemple du SIAC, où on voit qu'on a beaucoup de difficultés sur cette gestion même et cette performance d'un opérateur qui doit pouvoir le faire. Les factures, en revanche, ce qui est indispensable, c'est qu'il y ait une relation avec les clients qui soit opérée et que les gens
payent l'eau pour laquelle ils sont abonnés et qu'ils consomment. Aujourd'hui, on a des situations très paradoxales dans lesquelles des gens ont de l'eau, parce que les tours d'eau ne sont pas partout, et fort heureusement, et donc il y a des gens qui ont de l'eau qui arrivent à leur robinet, mais qui ne payent pas les factures parce que les factures ne leur sont pas adressées. Et donc il faut aussi qu'on retrouve cette façon de fonctionner. Vous savez que le principe de la gestion de l'eau, c'est que l'eau doit payer l'eau. C'est un principe de base qui est de dire qu'il faut que les gens payent le service pour lequel, évidemment, ils se sont abonnés et ils ont de l'eau qui arrive au robinet. Mais ça ne peut fonctionner que si, évidemment, l'eau arrive au robinet, mais si aussi les gens reçoivent une facture et payent leur facture. Il faut donc qu'on retrouve tout ce mécanisme. Et c'est ça l'enjeu aussi de 2021. On peut assumer les arriérés des factures. Ça, c'est un sujet qu'il faudra traiter après. Les factures aujourd'hui, il y a des factures avec des erreurs qui arrivent. Et donc, nous, ce que nous recommandons, et j'ai souvent des contacts avec les représentants des usagers sur ce point, c'est de tout de suite de contester cette facture. Voilà, de dire qu'on l'a bien reçue, mais de la contester. Et ensuite, on pourra la traiter soit en médiation, quand la structure de demain sera faite, soit en payant avec des arriérés, et ensuite en mettant ça sur plusieurs échéances, si c'est possible. Donc, de toute façon, vous dites qu'une solution sera trouvée à ce niveau-là. Maintenant, parlons de la vaccination, de cette campagne de vaccination qui a débuté. Alors, vous n'êtes pas prioritaire sur la vaccination? Non. Je n'ai pas plus de 75 ans et je ne... Voilà. Oui. Je ne suis pas encore prioritaire. Encore que ça va venir très vite. Enfin, j'attends votre question, mais je pense qu'on va en parler. Oui. Donc, pas prioritaire. Alors, beaucoup disaient qu'il fallait que les élus soient... donne l'exemple, qu'ils se fassent vacciner, par exemple vous aussi, monsieur le préfet, pour rassurer cette population, parce qu'il y a une campagne de promotion concernant ce vaccin. Il y a quand même beaucoup de méfiance à ce niveau-là, puisque reconnaissons que tout et n'importe quoi a été dit concernant ce vaccin. Les scientifiques n'étaient pas d'accord, les médecins non plus, donc la population ne sait pas, et quand elle ne sait pas, forcément, elle se braque. Alors comment faire face à cela et inciter cette population à se faire vacciner? Alors moi j'invite tous les gens à lire la tribune qui a été émise par plus de 80 personnes du monde scientifique et du monde médical de Guadeloupe, qui a été publié dans différents médias depuis 3 jours, où là il est très bien expliqué ce qu'est ce vaccin, ce qu'il conduit, ce qu'il peut faire et quels sont les désagréments qu'on peut avoir, parce qu'il ne faut pas aller plus loin, ce sont que des désagréments qui sont possibles et encore qui interviennent dans très peu de cas. Et surtout, qui explique qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, sauf à vouloir rester confiné pendant les années, les dizaines d'années qui viennent, à porter un masque et ne pas pouvoir revivre dans une société qui ressemblerait peut-être à ce qu'on a vécu avant 2019, la seule solution qu'on ait aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de traitement, eh bien, c'est obligatoirement la vaccination. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a quand même des interrogations encore sur ce vaccin. Il y a des questions qui n'ont pas de réponse. Il peut y avoir des questions, elles ont toutes des réponses. Il faut simplement vouloir écouter les réponses qui sont données. Concrètement, il n'y a pas de... toutes les questions qui sont posées sur les vaccins ont des réponses. Et d'ailleurs, la communication qui est faite... Alors, je sais qu'on a... Maintenant, il y a des gens qui considèrent que dès que le gouvernement communique, ce sont des mensonges. Et bien, je les invite à avoir d'autres canaux d'information et qu'ils contactent le professeur Césaire du CHU, par exemple, qui est un médecin de Guadeloupe et qui travaille au CHU, qui nous a, à l'occasion du dernier point presse, a bien expliqué ce qu'était ce vaccin, comment est-ce qu'on l'avait obtenu, pourquoi il était arrivé aussi vite et en quoi il était efficace. Donc une campagne de vaccination qui a débuté pour l'instant, est-ce qu'on peut dire que ça se passe bien? Pour l'instant, ça se passe bien. Alors, elle a débuté symboliquement vendredi dernier, oui, au centre de gérontologie du Rézé. Et là, ont été vaccinés d'ailleurs des gens dont vous parliez, des médecins. Le directeur du CHU a été vacciné. Le lendemain, exactement. Oui. La directrice générale de l'ARS, qui est médecin elle-même, a été vaccinée parce qu'elle est dans les gens qui doivent l'être aujourd'hui comme professionnels de santé. Et puis, il y a des élus. Le ministre Lurel est venu et s'est fait vacciner aussi. Monsieur Vial-Collet s'est fait vacciner aussi. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à le faire. Aujourd'hui, on est sur une priorisation de la vaccination sur les gens qui ont plus de 75 ans et qui sont en établissement, en EHPAD, ou sur les professionnels de santé. Dans des centres qui ont été ouverts, au CHU, dans les EHPAD, donc les gens pourront venir se feront vacciner dans les EHPAD. Il y a un centre qui a été ouvert pour les professionnels de santé au CHU
de Pointe-à-Pitre, pardon, au CHBT à Basse-Terre également. Donc un autre centre a été ouvert. À compter de lundi prochain, on va ouvrir avec l'ARS d'autres centres de vaccination dans les centres de vaccination classiques, ceux qui étaient déjà ouverts pour les vaccinations contre la grippe par exemple ou contre d'autres types de vaccinations. Il y en a à Mornalo, il y en a au Moule par exemple, où là on va faire pouvoir venir se faire vacciner les gens de 75 ans et plus, mais qui vivent pas dans des EHPAD, qui vivent dans les familles ou qui vivent à domicile chez eux. On pourra faire vacciner aussi les gens de plus de 65 ans qui seraient volontaires pour le faire, et les gens de plus de 50 ans qui sont atteints aussi par des affections de longue durée. Donc voilà, donc on va ouvrir le champ des possibles pour la vaccination. À chaque fois, la vaccination n'est pas obligatoire. La vaccination, elle repose sur le consentement de chacun. Elle suppose aussi un passage par le médecin traitant qui aura préconisé cette vaccination. Alors, est-ce que à partir du moment où on serait vacciné, on n'aurait pas cette obligation de porter le masque, de passer du gel au niveau des mains, est-ce que les gestes barrières ne seront plus de mise pour ces personnes ? Alors, pour l'instant, pas tout de suite, parce que déjà, il faudrait que beaucoup de gens soient vaccinés. Vous savez qu'il faut qu'on atteigne énormément de gens vaccinés pour pouvoir vraiment éliminer la maladie. On attend encore une réponse de la Haute Autorité de Santé pour savoir si, quand on est vacciné, on transmet ou non la maladie. Il y a encore des études qui doivent être faites sur le sujet. Donc, vous êtes vacciné, vous protégez vous-même, mais est-ce que, comme le virus est présent chez vous, imaginons que vous le contractiez, vous êtes vacciné, donc vous ne subirez pas de symptômes. En revanche, vous pourriez peut-être le donner. Donc il y a encore des études qui sont nécessaires, qui sont conduites en Angleterre notamment et en France sur le sujet. Donc ça, c'est le deuxième point. Puis ensuite, il faut être vacciné et ensuite, il faut avoir un rappel. Donc en fait, on a quand même 3 semaines entre les deux. Donc ça veut dire que la protection maximale intervient après le rappel, une semaine après le rappel. Donc il y a encore besoin d'un peu de temps pour que nous puissions enlever tous les masques et enlever les gestes barrières. Et ça supposera que la plus grosse partie de la population se fasse vacciner. Parce que sinon, on ne protégera pas les plus faibles. Donc, être vacciné ne veut pas dire ne pas porter de masque. Non, ça veut dire ne plus être malade et ne pas avoir de symptômes. Ce qui en soi est aussi important, surtout quand on est une personne fragile et qu'on peut faire des complications à partir de la Covid. D'accord. Au-delà, il y a une question qui a fait débat aussi ici en Guadeloupe, au niveau touristique et sur ce volet économique, où beaucoup se sont interrogés sur ces 40 000 touristes qui sont arrivés en Guadeloupe en se disant « Mais ok, il y a une campagne de vaccination qui va débuter, il faut nous protéger. Comment accepter qu'il y ait autant de touristes en Guadeloupe ?» Alors, qu'avez-vous à répondre à cela ? Alors, moi, j'ai deux éléments. La première chose, c'est qu'il n'y a pas 40 000 touristes qui sont arrivés. Il y a 40 000 voyageurs, et encore, je n'ai pas le chiffre exact, mais disons que c'est 40 000. Il y a 40 000 voyageurs qui sont arrivés de l'Hexagone. Parmi ces 40 000 voyageurs, il y a entre un tiers et une moitié de gens qui ne sont pas des touristes, qui étaient des Guadeloupéens qui vivaient en Hexagone et qui sont revenus dans leur famille. C'est important parce que ce ne sont pas des touristes. Ce sont des gens qui sont revenus parce qu'ils ont pu profiter, ils sont allés dans leur famille et pas sur les plages. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, moi je l'ai rappelé encore avant les vacances de Noël, on a 3 zones de risque pour le virus et ça continue aujourd'hui. On a le risque du virus qui est toujours présent sur le territoire. Vous savez qu'on a eu des clusters juste avant les vacances de Noël. On a eu un cluster. Ce virus, il n'était pas venu de la métropole. Hein. Il était bien présent sur le territoire. Et donc, on a toujours des contaminations qui existent et qui circulent au sein de la population guadeloupéenne, voyageurs de l'extérieur ou pas voyageurs de l'extérieur. Ensuite, le deuxième risque, c'était les touristes, et les voyageurs qui venaient de l'Hexagone. Et pour pallier ce risque, il y a le test PCR pardon, qui est obligatoire au départ. Il y a toujours un test de moins de 72 heures qui est obligatoire. Et donc, on a pour se protéger, un test qui est là et qui est certifié et qui d'ailleurs est contrôlé. On l'a montré plein de fois. Il est contrôlé au départ, il est contrôlé à l'arrivée. Et les gens qui pourraient passer entre les mailles du filet ne passent pas une deuxième fois. C'est-à-dire qu'ils sont contrôlés. Et on a eu quelques verbalisations à l'arrivée à l'aéroport avec une obligation de test pour vérifier que les gens étaient bien négatifs. Et puis parmi ces voyageurs, comme je le disais, on a 2 risques différents. Les touristes, mais qui eux vivent plutôt dans les hôtels et dans les structures dans lesquelles on a travaillé avec les hôteliers, les représentants des hôteliers, des restaurateurs, pour faire de la communication, pour expliquer qu'il était important que les gens respectent les gestes barrières, qu'au sein des hôtels et des restaurants, il fallait respecter et appliquer toutes ces préconisations, qu'on portait le masque en Guadeloupe, qu'on portait là où c'était obligatoire, et qu'il était recommandé de faire un test 7 jours après le test initial,
pour vérifier qu'on n'était pas porteur du virus. Ça, c'est la deuxième zone de risque. Et puis la troisième zone de risque, ce sont les Guadeloupéennes et Guadeloupéens qui sont revenus dans leur famille. Et pour moi, c'est un risque qui est toujours là, puisqu'on a toujours des gens qui sont revenus dans leur famille. Et c'est là où il faut faire très très attention, parce que quand on revient dans sa famille, on a envie d'embrasser les siens, ce qui est normal. C'est assez humain de le faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est revenu. Et donc, moi, je préconise toujours de faire très attention et de continuer à garder les gestes barrières, notamment quand on va dans une famille dans laquelle il y a des personnes fragiles. Donc pour vous, c'est un faux problème. C'est pas un faux problème. Je dis que les touristes qui sont arrivés en Guadeloupe. C'est un sujet qu'on prend en compte, évidemment. Maintenant, il faut aussi regarder c'est le côté négatif de l'avenue des touristes, enfin, si vous me permettez, de l'avenue des touristes. Il y a un aspect positif qu'il ne faut pas négliger du tout, qui est l'activité économique. Le secteur du tourisme, ça emploie énormément de Guadeloupéennes et Guadeloupéens qui vivent de cette activité et donc de ce fait qu'ils ont retrouvé un peu d'activité économique alors que l'année 2020 avait été très compliquée. Ça nous permet d'aborder la question de la relance économique et nous y reviendrons d'ici quelques instants puisque nous marquons une courte page de publicité. Voilà, nous revenons avec le préfet de la région Guadeloupe. Quelques questions encore et puis ensuite, ça sera place à vos appels. Alors, le plan de relance. C'est vrai qu'on parle souvent de Covid, mais on parle aussi d'économie. Et avec le président de la région, vous avez quand même travaillé sur cet aspect économique. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement nous donner les 8 priorités, comme on dit, de ce plan de relance ? Alors, en fait, j'ai pas travaillé seulement avec le président de région, on a travaillé avec les autres collectivités. On a simplement formalisé avec le président de région, mais j'ai bon espoir de pouvoir formaliser aussi un accord avec le département. Et puis avec des EPCI, donc qui pourraient aussi travailler avec nous à des cofinancements d'opérations ou à des sélections d'opérations pour la suite de ce plan de relance. Qu'est-ce qui a coincé avec le département ? Ça n'a pas coincé, c'est juste un problème de calendrier. C'est-à-dire qu'on n'était pas prêt juste avant les vacances de Noël avec eux, et donc on va pouvoir le faire juste après. Donc il n'y a pas de... Non, il n'y a absolument rien qui coince. On travaille vraiment ensemble avec les deux collectivités majeures, chacune sur leurs compétences, hein, puisqu'elles n'interviennent pas de la même façon toutes les deux. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir avancer ensemble, parce qu'on permettra d'avoir des cofinancements supplémentaires et puis de pouvoir aller un peu plus loin encore dans la relance qu'on souhaite. Le plan de relance, il va s'articuler... Il s'articule aussi avec tout le travail qu'on fait et que le gouvernement soutient depuis le début de la crise, c'est-à-dire le soutien des entreprises. Je ne sais pas si tout le monde a bien l'idée, mais le fonds de solidarité nationale, qui est un fonds qui est donné aux entreprises, avec des critères qui évoluent assez régulièrement, il y a des critères qui ont encore évolué en décembre dernier, c'est 110 millions d'euros qui ont été distribués depuis le début de l'année en Guadeloupe à 70 000 entreprises à peu près. Donc 110 millions d'euros. L'activité partielle, c'est une centaine de millions d'euros qui ont été aussi distribués. Donc ça, c'est pour donner, avant même le plan de relance, il y a aussi tout le soutien qui est fait aux différentes entreprises, aux différentes activités économiques. Le plan de relance, je ne vais pas vous citer les huit axes, de ce plan de relance, mais en revanche, la priorité, c'est de pouvoir relancer très vite l'activité économique avec plusieurs types de soutien. Un soutien à l'emploi. Il y a énormément de volets qui sont mis en œuvre pour aider à l'employabilité, pour aider à la formation des jeunes et des moins jeunes, pour les adapter et pour que ces jeunes et ces moins jeunes puissent correspondre à des besoins d'emploi dans les entreprises. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est de travailler sur des chantiers que nous allons pouvoir relancer avec les collectivités ou tout seul l'État avec la maîtrise d'ouvrage pour que ces chantiers puissent se lancer très vite. Dans ces chantiers, on peut penser ici à un certain nombre d'opérations qu'on va financer pour les collectivités puisqu'on a distribué des subventions pour le faire, pour que les collectivités puissent porter des chantiers, par exemple de rénovation d'école. À hauteur de combien ? Là, on a versé 4 millions d'euros avant la fin de l'année. Et l'État a un plan de rénovation de ces bâtiments. Je pense par exemple au centre pénitentiaire de Bémao. Il y a des sujets de justice à Basse-Terre avec plusieurs dizaines de millions d'euros qui vont s'étalonner dans le temps. Donc ça, ce sont les chantiers. Et puis après, il y a toutes les activités que nous allons porter grâce à des appels à projets. Je pense à la transition agricole sur laquelle nous voudrions beaucoup travailler dans le domaine du sucre et de la canne, mais aussi dans celui de l'élevage. Donc pour aider les agriculteurs et les cultivateurs à transformer leur activité pour se rapprocher du besoin, notamment du besoin pays qui est le plus important en ce moment. Voilà quelques exemples qui sont donnés dans le plan de relance.
L'idée, c'est que ça se lance très vite pour que justement on puisse profiter. On a 2 ans pour mettre en œuvre ce plan de relance. Donc c'est pour ça qu'on a signé l'accord territorial avec la région avant les vacances, pour que dès l'année, les premiers jours de 2021, on puisse lancer des projets. Oui. Alors c'est un budget de combien tout ça ? Alors l'État, c'est 135 millions d'euros. La région, 500 millions d'euros. 500 millions d'euros, dont une partie de fonds européens, puisqu'il y a aussi un volet de fonds européens qui vont venir en plus. Donc, vous voyez, donc c'est... Il y a énormément de crédits qui sont là disponibles. Il faut absolument les mettre en œuvre pour que on puisse lancer devant nous le travail. Est-ce qu'on peut dire que tous les secteurs seront aidés ? Tous les secteurs sont ou seront aidés. Oui, effectivement, il y a un plan particulier pour le tourisme, il y a un plan particulier pour l'événementiel, pour l'agriculture, la pêche aussi, qui est dans le volet agriculture. Tous les secteurs sont aidés par des plans particuliers ou peuvent potentiellement avoir des aides qui interviendront dans des plans plus généraux. D'accord. Donc relance économique. Alors il y a aussi une question et j'aime bien partir sur ce volet-là, puisque quand on parle de relance économique, on ne peut pas occulter aussi l'aspect social ici en Guadeloupe, et on pourrait faire une émission une autre fois là-dessus. Concernant les associations, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui elles jouent encore leur rôle, on va dire, d'amortisseur social? Est-ce qu'on peut dire qu'elles ont toute leur place aujourd'hui? Alors moi j'irais même un peu plus loin, je pense qu'elles n'ont pas encore, elles ne jouent pas suffisamment ce rôle. Le secteur associatif en Guadeloupe, il existe. On a beaucoup d'associations qui existent. En revanche, je pense qu'on pourrait encore plus se dynamiser sur les volets sociaux, d'insertion, sur les volets handicap, sur lesquels on a vraiment du travail à faire. Et on s'aperçoit qu'on n'a pas assez d'acteurs encore pour le faire. On a énormément de moyens qui existent, de l'État, du département, puisque ce sont des politiques du département. On le sait, puisqu'on travaille avec le département sur une stratégie de lutte contre la pauvreté, et on s'appuie beaucoup sur les associations. On s'aperçoit que dans certaines régions, dans certains territoires de la Guadeloupe, on manque d'associations et on manque d'acteurs pour le faire. Donc moi, je milite vraiment pour qu'on puisse le faire. Peut-être que celles qui existent déjà souffrent. Elles ont des difficultés aussi, bien sûr. Elles peuvent connaître des difficultés de recrutement, de fiabilisation, de financement parfois. Oui. Mais donc voilà, donc il y a tout un travail qu'on doit faire avec, je dis avec le département, parce que c'est vraiment un champ de compétences qui est en général proche de celui des compétences du département. Mais nous, l'État, on aide aussi beaucoup les associations, on travaille beaucoup avec elles. Je suis allé voir sur un autre domaine qui n'a rien à voir, une association il n'y a pas très longtemps, le CRBT, donc le Cercle des nageurs de la région Basse-Terre, qui est une association ancienne, qui travaille dans le champ de la protection civile, mais aussi dans le champ de l'insertion et du travail dans les quartiers. Voilà des associations qu'il faut vraiment qu'on aide et qui doivent travailler au profit de tout le monde. Parce qu'on a quand même, on voit hein, comment en Guadeloupe aujourd'hui, la pauvreté fait son chemin. On voit beaucoup de gens sur le bord des routes. Et à ce niveau-là, est-ce qu'il n'y a pas un vrai travail à faire? Vous venez peut-être pas très souvent sur la Grande Terre? Oui. Si, si. Ouais, sous si, le si. Pont de Bainbridge, il y a un matelas, un monsieur, ouais, qui dort, et d'autres à Pointe-à-Pitre et ailleurs. Et on a vraiment l'impression qu'à grands pas, il y a beaucoup de démunis, beaucoup de personnes en difficulté, beaucoup de désœuvrés. Et on se dit, est-ce qu'il n'y a pas un travail justement à faire? Est-ce qu'il ne faut pas prendre ce sujet à bras le corps? Mais c'est un sujet qu'on a pris, notamment à travers la stratégie de lutte contre la pauvreté. On dirait que c'est des grands mots, en fait, c'est vraiment des actions qui sont très précises, qui sont conduites, beaucoup en s'appuyant sur les associations, parce que c'est vraiment grâce à elles qu'il faut qu'on le fasse. Et puis on a un projet qui existe, qui est un projet de SAMU social, qui n'existe pas en Guadeloupe, qui justement sera, je l'espère, très bientôt, en janvier ou en février, on va pouvoir le lancer. Tout est prêt, donc il nous reste juste les derniers éléments administratifs à mettre en œuvre pour que justement on ait un opérateur qui soit capable d'intervenir sur ce champ global, et notamment en Grande-Terre. Oui. Alors, merci de parler de ce SAMU social, puisque en Guadeloupe, on en parle depuis bien des années. SAMU social qui n'a pas vu le jour. Donc, si cette année, en 2021, il sera opérationnel, c'est quand même un volet important pour Alors, il le sera, je peux vous le dire, il le sera avant la fin du premier trimestre 2021.
puisque tout est prêt. Voilà, on attend juste les derniers éléments, mais on va le lancer très vite. Et au-delà, et je fermerai cette parenthèse, un manque d'hébergement de nuit pour ces personnes qui dorment dans la rue, ça aussi, il faudrait peut-être y penser. On pense à l'eau, on pense aux déchets, c'est vrai. Mais cet aspect-là, on peut pas fermer les yeux dessus. Le volet logement est un volet qui est extrêmement important. On parlait du plan de relance juste avant. Il y a un volet logement dans le plan de relance qui est extrêmement fort. Il y a énormément de travail qui est fait. Vous parliez de la zone pointoise qui va être fait avec CAPEX sur le nouveau programme de rénovation urbaine qui porte en son sein énormément de travaux lourds. De rénovation urbaine, c'est-à-dire de destruction et de reconstruction d'habitats qui seront adaptés. Et le SAMU social, une des missions du SAMU social, ça sera aussi l'hébergement d'urgence, qui est consacré pour ces populations en difficulté. On peut dire que le BTP sera bien accompagné en 2021. Je pense qu'on va avoir besoin du BTP en 2021 parce qu'on a beaucoup de projets de rénovation ou de travaux qui vont se lancer. Et donc ça fait partie de ces secteurs sur lesquels on sait qu'on va avoir un besoin très fort. On a le chantier du CHU qui continue. Et une fois à la fin du chantier du CHU, on a énormément de chantiers qui vont se lancer. J'ai parlé du centre pénitentiaire de Bémao, par exemple. Mais il y a d'autres chantiers qui vont se lancer sous maîtrise d'ouvrage de l'État ou sous maîtrise d'ouvrage des collectivités. Alors maintenant, parlons de la sécurité, notamment la sécurité routière. Alors, je pose peut-être cette question à chaque fois, mais ici, il y a quand même beaucoup de radars. Et on se demande pourquoi autant d'accidents, pourquoi autant de morts sur nos routes. Alors ces radars, est-ce qu'ils servent réellement? Et est-ce qu'ils sont dissuasifs? Qu'est-ce qui se passe exactement, monsieur le préfet? En fait, on peut pas lier directement le nombre de radars au nombre d'accidents ou au nombre de tués. C'est un sujet de comportement. Alors, premièrement, sur les radars, il y a aujourd'hui pas plus de radars qu'il y en avait en 2019 ou en 2018. On a simplement changé de type de radar. Bientôt, on va en avoir plus, effectivement. Il y en a combien actuellement? Là, en ce moment, on en a une vingtaine qui sont des radars qui sont opérationnels. Et on en a une quarantaine qui sont installés sur le territoire. Et on en aura d'autres. Et on arrivera jusqu'à 68 à terme du plan du déploiement. Concrètement, regardez les comportements sur les routes, regardez les accidents. La plupart du temps, ce sont des gens qui roulent très vite, trop vite, qui ne maîtrisent pas leur vitesse. L'accident d'hier... au Mans de Grodelet à Grosbert, c'est clairement une non-maîtrise de vitesse sur une chaussée glissante avec quelqu'un qui a perdu complètement le contrôle de son véhicule. Il faut bien lutter contre ça. Et pour lutter contre ça, je l'ai déjà dit sur ce plateau et je le redirai tout le temps, il y a deux jambes à la politique de sécurité routière. Il y a la jambe de la prévention et de l'éducation. C'est indispensable, il faut le faire. L'éducation, elle commence à l'école, avec des réflexes qu'il faut avoir sur le comportement face à la route. Et elle continue jusqu'à dans les auto-écoles. Et quand on passe son permis, c'est de l'éducation routière. Donc ça, c'est le premier volet. Et puis, on continue tout au long de sa vie. On apprend les choses. Il y a le permis à points, fait partie aussi des sujets qui nous permettent à chaque fois, pour des gens qui perdent leur point, de revenir et de faire de l'éducation. Ça, c'est la première jambe. Et puis la deuxième jambe, c'est celle du contrôle. Et dans le contrôle, il y a les forces de l'ordre en bord de route et il y a les radars, parce que les radars, c'est toujours au même endroit et ça fait baisser la vitesse. Et concrètement, vous regarderez, mais je pourrais en parler des heures, puisque j'ai été adjoint à la délégation à la sécurité routière pendant 4 ans, donc je connais bien la matière. Vous regarderez les statistiques nationales dans tous les endroits où on a installé des radars automatiques, on a fait baisser la gravité des accidents et la mortalité sur les routes. Et est-ce que ça augmente ailleurs? Non, ça n'augmente pas ailleurs. Donc là, le sujet aujourd'hui, c'est ce qu'on se disait en aparté juste avant, on est le 12 janvier, il y a déjà 3 morts sur les routes de Guadeloupe, à Saint-François, à Basse-Terre et à Gourbert, donc sur 3 endroits différents, avec des situations différentes, mais à chaque fois des problèmes de comportement. Et donc c'est ça qu'il faut, sur lequel il faut vraiment qu'on lutte et que tout le monde en ait bien conscience individuellement et collectivement. Le sujet, c'est celui du comportement. Il ne faut pas rouler vite, il ne faut pas rouler alcoolisé, il ne faut pas rouler quand on a pris des stupéfiants. D'ailleurs, il ne faut pas prendre de stupéfiants, c'est même interdit. Et donc tous ces comportements-là, il faut que vraiment ça rentre et que les gens le fassent et que même... quelqu'un qui voit quelqu'un qui roule sur un scooter sans casque ou quelqu'un qui monte dans sa voiture et qui ne met pas sa ceinture de sécurité, eh bien lui disent
qu'il faut mettre le casque et qu'il faut mettre sa ceinture de sécurité. Ce sont des actes réflexes qu'il faut qu'on retrouve en Guadeloupe, parce que sinon on va continuer l'hécatombe telle qu'elle est lancée. Alors que faut-il faire de plus pour sensibiliser la population ? Eh bien on va trouver d'autres moyens de faire passer les messages, puisque visiblement les messages ne passent pas trop. Et puis on va renforcer les contrôles. Oui, je crois qu'il n'y a pas le choix. Quand les gens ne veulent pas comprendre, il faut qu'on leur réexplique les règles. Et si une fois que la règle est réexpliquée, mais on n'applique pas, eh bien il y aura des sanctions qui seront prises. Est-ce qu'on a avancé sur le dossier de la destruction des radars ? Oui, on avance. Les enquêtes sont en cours. Alors, je dois dire une chose, c'est que quand les radars sont détruits, ils sont remis ensuite. C'est-à-dire qu'ils coûtent cher aux contribuables. Donc c'est de l'argent concrètement des contribuables qui volent comme ça et qui est dilapidé. En fumée, oui, exactement. Donc ça, c'est profondément irresponsable. Le jour où on aura un accident mortel à côté d'un radar qui a brûlé et qu'on trouvera le responsable de ce radar qui a brûlé, ça ne sera pas très compliqué de mettre la relation entre ce radar qui a été détruit et l'accident de la route mortelle. Et je pense que là, on aura des responsabilités qui seront engagées, qui seront d'un niveau très très élevé. En attendant, les services de police et de gendarmerie sont en train d'enquêter et on a des pistes assez solides sur le sujet des incendies de radar. Alors celui qu'on appelle Tourelman, vous le savez, ça ? Oui, oui. Je suis les réseaux sociaux aussi. Ouais. Maintenant, il y a aussi ce sujet du carnaval. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un petit peu revenu sur votre décision ? Est-ce que vous êtes moins rigide sur cette première approche du carnaval, alors défilé ou pas ? Non, je ne suis pas revenu. Je ne dis pas ça parce que je n'aime pas dire que je suis revenu sur ce que j'avais décidé. On a décidé qu'il n'y avait pas de carnaval, c'est-à-dire pas de défilé, pas de déboulé. Parce qu'en fait, concrètement, ce sont des activités qui se passent sur la voie publique, dans lesquelles on sait très bien que c'est impossible de réguler les gestes barrières, de faire attention. Ensuite, on a des spectateurs qui viennent et on a des agglutinements. On le sait très bien. D'ailleurs, toutes les organisations, les organisateurs de carnaval ou les groupes à peau que j'ai vus la semaine dernière me l'ont dit. Concrètement, ils sont pas capables de. On n'est pas capable d'organiser ça dans les règles des gestes barrières et donc avec un risque très fort de générer des clusters en fait qu'on ne pourra plus maîtriser ensuite. En revanche, j'ai reçu partie de groupe APO et d'organisateurs du carnaval la semaine dernière et on a travaillé ensemble et on est arrivé concrètement à une proposition qu'on est en train d'élaborer qui n'est pas encore complètement finalisée, qui est celle d'engagement, un protocole d'engagement en fait entre les groupes et nous. Pour qu'on puisse autoriser non pas les déboulés, non pas les défilés, mais la pratique de l'activité de carnaval au sein des associations, au sein des organisations, dans leurs locaux, évidemment en faisant très attention aux gestes barrières, en respectant un nombre limité de participants, en se donnant 4 mètres carrés par personne, en portant son masque, en se lavant les mains régulièrement, et surtout en n'acceptant pas de public. Ce sera plutôt des ateliers de la répétition pour faire vivre ce carnaval dans les groupes à peau ou chez les organisateurs. Et puis l'idée c'est qu'aussi, je l'avais déjà dit, vous le savez, on a réussi à trouver des financements pour faire un fonds de soutien du carnaval. 100 000 euros de l'État, complété par 50 000 euros de la région et 50 000 euros du département. Et grâce à ce fonds, on va aussi pouvoir financer des actions de dématérialisation ou d'enregistrement de ces répétitions ou de ces activités qui vont se passer dans les groupes à peau ou chez les organisateurs pour ensuite faire vivre ce carnaval d'une autre façon, d'une façon dématérialisée. Et je crois qu'en 2021, tout le monde a bien conscience qu'on ne pourra pas vivre le carnaval tel qu'il est. Donc on ne pourra pas avoir le défilé du Mardi Gras, Non. Tous ces défilés-là ne seront pas possibles. Ils sont même interdits puisqu'on n'a pas le droit d'être à plus de 6 sur la voie publique en rassemblement. Et donc s'il y a des gens qui viennent sur la voie publique et font des manifestations, eh bien des contrôles de police et de gendarmerie seront organisés. Avec des amendes, avec de la verbalisation, bien sûr, puisque les gens le savent très bien. D'accord. Donc, pas de carnaval, mais il y aura quand même les vacances. Voilà, on veut faire vivre les vacances de carnaval. Enfin, je pose la question puisque ce sont des questions qu'on entend dans la rue. Les vacances scolaires, elles demeurent parce qu'elles sont pas. En fait, ici, on les lie au carnaval, mais les vacances scolaires, c'est le rythme scolaire aussi qui les impose. Mais dans les entreprises aussi, il y avait. Donc ça demeure. Mais ça aussi. Après, ça c'est l'organisation de chaque organisme. Ouais. Bien. Maintenant, rapidement, puisque nous avons déjà des téléspectateurs qui attendent pour vous poser quelques questions, il y a aussi le plan Chlordécone 4. Mmh.
Alors, qu'en est-il exactement de ce plan chlordécone 4? Alors, comme vous le savez, on a donc le plan chlordécone 3 s'est achevé. Oui. On va en faire un bilan un peu plus construit que ce qui a été fait jusqu'à présent. Et on a élaboré un plan numéro 4 d'une façon un peu différente des trois précédents, notamment parce qu'on veut l'inscrire plus dans la durée. Et on l'a préparé en prenant appui sur les instances et sur les structures locales et sur les participations locales. Donc on a créé un plan. Qu'est-ce qui a changé ? En fait, tout simplement parce qu'on est parti de la base et donc des propositions pour que chaque axe soit alimenté par les propositions qui ont été faites. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on veut l'inscrire dans un temps plus long, donc avec plus d'années de vie de ce plan numéro 4. Et puis, troisième point, on l'a soumis à consultation. C'est-à-dire qu'on a donné les grandes lignes de ce plan chlordécone 4. Et on a soumis à la population pendant tout le mois de décembre, soit sur le site internet qu'on avait, soit par des commissaires enquêteurs qui sont venus dans les communes et qui ont recueilli un certain nombre de remarques, de commentaires, de questions, de critiques sur le plan tel qu'il était élaboré. Donc là, on a récupéré l'ensemble de ces commentaires. Il y a environ un millier de commentaires qui ont été recueillis. Donc ça veut dire qu'il y a eu une participation. Le début avait été très limité, puis on a vu une augmentation. Les gens ne se sentaient pas forcément concernés. Oui, peut-être que là, il y avait besoin de communiquer un peu plus. Donc on a relancé la communication. Puis en deuxième partie de cette consultation, on a eu beaucoup plus de monde qui a participé. Et donc là, maintenant, on a des propositions, de la matière qui va nous permettre de préparer concrètement le plan 4 et qu'on annoncera une fois qu'il sera validé, début février, je pense. Déjà, début février. Alors, au début de cette émission, vous avez donné une note d'espoir en disant que 2021 ne devait pas ressembler forcément à 2020 et qu'il y avait des embellis à venir, si j'ai bien compris. Juste avant de récupérer les appels de téléspectateurs, j'aimerais revenir sur ce Covid, puisque nous avons débuté avec le Covid. J'aimerais revenir en vous demandant de nous faire un point. Est-ce que cette période festive n'a pas entraîné plus de cas Covid? Quelle est la situation actuelle? Ces fêtes? On a fait un point cet après-midi avec les élus, puisque vous savez, j'anime un comité des élus tous les mardis après-midi maintenant. Donc on le fait et on partage avec eux les éléments de diagnostic. Et d'ailleurs, on fait un point presse juste après. Donc on a vu la semaine dernière et cette semaine une légère augmentation du nombre de cas positifs. On est passé de 56 cas positifs la semaine dernière à 69 cas positifs, puis là à 89. Donc on voit qu'il y a une petite augmentation, mais qui n'est pas majeure, c'est-à-dire que ce n'est pas une montée en flèche. Ce qui veut donc dire que, puisque là maintenant la période de Noël, les conséquences de la période de Noël sont passées, on peut dire que les fêtes de Noël ont été sages, c'est-à-dire qu'on y a fait sages d'un point de vue Covid, évidemment. Donc on a fait attention en Guadeloupe, y compris avec des gens qui sont venus de l'extérieur, puisqu'on avait déjà beaucoup de touristes ou de voyageurs qui étaient arrivés. Donc la période de Noël n'a pas montré une explosion du nombre de cas Covid. Et là, on est en train d'analyser ce qui s'est passé pour le 31 et le week-end qui a suivi. Donc là, on a juste 10 jours, donc il faut qu'on attende encore la semaine prochaine pour vérifier qu'on n'a pas eu d'explosion non plus. Donc concrètement, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, l'analyse que l'on fait, c'est qu'il y a une légère augmentation. On est en train de la surveiller, évidemment, parce qu'il ne faut pas qu'elle augmente. Dû au fait quand même ou pas du tout ? Dû vraisemblablement au brassage de populations supplémentaires. Il y a les fêtes, parce qu'elles ont généré des mouvements, des rencontres, des activités dans lesquelles on s'est retrouvés peut-être, et on a peut-être fait un petit peu moins attention parce qu'on voyait des amis ou parce qu'on voyait de la famille. Donc j'espère que c'est juste ça et que c'est resté limité. Donc on surveille, vous savez qu'on tous les jours on détermine le nombre de cas positifs, et donc on suit au jour le jour l'évolution. On reste combien de personnes en réanimation ? Là, il nous reste 4 personnes en réanimation. Il y a eu un décès la semaine dernière d'une personne qui était rentrée aux urgences et qui est décédée aux urgences. Donc c'est-à-dire qu'elle est arrivée très tard avec un cas de Covid important. Donc, une personne âgée. Une personne âgée, elle avait 78 ans de mémoire. Bon, c'est pas si âgé que ça, concrètement. Mais elle était déjà très faible quand elle est arrivée à l'hôpital. Et donc il y a entre 3 et 5 personnes en réanimation constamment. Ça montre qu'on a toujours, le Covid est toujours présent en Guadeloupe. Et on a toujours des gens qui sont traités à l'hôpital pour le Covid. Ouais. Alors, avec ce vaccin, on s'attend à ce qu'il y en ait moins ? Oui, c'est l'objectif, puisque c'est pour ça qu'on commence d'ailleurs par les personnes les plus fragiles. L'idée, c'est qu'on veut commencer par eux pour qu'eux soient protégés. Et donc, petit à petit, on n'est plus ce genre de personnes en réanimation ou à l'hôpital. Mais on aura toujours... Le vaccin n'empêchera pas d'avoir des gens malades. Simplement, il atténuera profondément la maladie et donc évitera les cas graves.
Donc, des malades du Covid, il faut insister sur les gestes barrières. Il faut continuer c'est encore et encore. C'est indispensable. On se dit que nous sommes sages en Guadeloupe, donc... Eh bien, il faut continuer à l'être. Ouais. Et je vous remercie tous vos téléspectateurs de le faire, parce que c'est grâce à cet engagement collectif qu'on parvient à faire ce qu'on veut. Oui. D'accord, donc monsieur le préfet, nous partirons du côté du téléphone avec des appels de téléspectateurs, puisque vous avez bien voulu, en ce début d'année, répondre à quelques questions. Donc, je le répète, des questions courtes, précises, que nous puissions récupérer un maximum d'appels ce soir. Je crois que nous avons déjà un premier appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir. Oui. Bonsoir Yves, bonsoir monsieur le préfet. Bonsoir monsieur. Ma première question, et je vais être direct, vous vous êtes déjà fait vacciner, avez-vous pris le vaccin déjà? Vous voulez que je réponde tout de suite? Alors, c'est la seule question? C'est la seule question? J'ai encore des questions. Alors, rapidement, on va toutes les lister. Activité économique. Et à travers ce lien, je trouve aussi que, c'est-à-dire que si nous avons une nouvelle vague de la pandémie, ce serait dû à nos enfants ou à nos parents qui viennent de métropole. Parce qu'on aura embrassé, on aura serré. Mais je vous ferai part de quelque chose. C'est que moi, je suis sous la côte sur le vent. Et quand je vois la plage de Ballandur et ces endroits-là, je vois beaucoup de vos compatriotes l'une sur l'autre sous la plage, sans masque, sans distance. Alors, j'aurais bien aimé savoir comment ça se passe. Et au sujet du radar, vous savez, le radar au bonheur, c'est le pognon, hein, puis terminé. Alors, sur ça, je vous dis quand même une bonne année. Et j'espère que tout ce que vous êtes en train de dire, au moins l'histoire de l'eau, ça va être réglé. Et bonjour. Merci. Merci. Alors, merci, monsieur. Question. Merci, monsieur. Alors, trois questions et trois réponses. Avez-vous pris le vaccin? Premièrement, je n'ai pas été vacciné, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Tout simplement parce que je ne suis pas encore dans les personnes cibles pour le vaccin. Je n'ai pas plus de 75 ans et je n'ai pas plus de 65 ans où je ne suis pas personnel de santé. En revanche, dès que le vaccin sera possible pour des gens de ma catégorie, j'ai 51 ans, eh bien je me ferai vacciner immédiatement et vous le saurez puisque je le ferai en le montrant sans difficulté. Deuxième question que vous m'avez posée, d'où vient le virus? Je n'ai pas dit que le virus venait exclusivement des gens qui venaient dans leur famille. J'ai dit que c'était des zones de risque et potentiellement, on avait trois possibilités de survenue ou de réaugmentation de la contamination, soit par le virus qui est toujours présent en Guadeloupe, soit par les gens qui viennent de l'extérieur, soit des touristes, soit des gens qui reviennent dans leur famille. Donc je n'ai pas dit que c'était exclusivement cela. Ensuite, sur les plages à Malandur... où on a fait des contrôles aussi. Premièrement, le masque n'est pas obligatoire sur la plage. Il est obligatoire quand on déambule, et d'ailleurs des contrôles ont été faits. Et ensuite, les gens sont regroupés entre eux sur la plage, mais ce sont en général les touristes qui sont entre eux. Et donc le sujet, il est dans le brassage des populations. Il n'est pas quand on est assis sur la plage ou qu'on est allongé sur sa serviette et qu'on attend. Donc voilà, tout ça fait que pour les touristes, c'est une des causes potentielles d'arrivée du virus, mais ce n'est pas exclusif, ce n'est pas la seule. Et c'est pour ça qu'on a travaillé avec les hôteliers et les restaurateurs pour vérifier que l'ensemble des gestes barrières étaient bien appliqués. Ça, c'est le premier point. Et je rappelle que tous les gens qui viennent de l'Hexagone, puisque les gens qui viennent de l'extérieur viennent de l'Hexagone aujourd'hui, sont tous détenteurs d'un test PCR négatif de moins de 72 heures. Ça veut donc dire qu'ils ont tous été testés avant d'arriver. Ensuite, les radars, on pourrait en parler très longtemps. Les radars coûtent plus cher qu'ils ne rapportent à l'État. Je vous invite à regarder l'ensemble des chiffres qui sont diffusés tous les ans sur le sujet des radars. Et concrètement, aujourd'hui, si on veut faire ralentir les gens sur la route, soit on met des dodanes tous les 300 mètres, vous conviendrez que ça fonctionne difficilement si on veut avoir une circulation, soit on oblige les gens à respecter les vitesses, et les radars sont un moyen de faire respecter les vitesses. Merci. Autre question. Bonsoir, vous avez la parole. Allez-y, nous vous écoutons. Bonsoir, monsieur le préfet. Bonsoir, madame. Madame Boissé. Bonsoir.
Oui, alors j'appelle concernant en fait pour la communication au niveau du port du masque obligatoire au niveau des touristes. J'ai rencontré à plusieurs reprises des touristes qui ne portaient pas de masque. J'ai eu l'occasion de parler avec des touristes, ils m'ont dit que ce n'est pas obligatoire sur la Guadeloupe. Oui. Alors, je... C'est tout, madame, c'était juste une question. Oui, oui, c'est au niveau des touristes, en fait, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, qui ne portaient pas de masque, et ils ne voient pas l'obligation de porter le masque, surtout dans des voies publiques, avec du monde, eh ben, autour d'eux. Merci, madame. Merci, merci beaucoup madame, mais ils ont tort, évidemment, le port du masque est obligatoire dans toutes les zones dans lesquelles on côtoie du public, d'ailleurs c'est pour ça qu'on les contrôle, c'est pour ça qu'on leur rappelle les règles, et puis je vous remercie par avance de leur avoir dit que le port du masque était obligatoire, c'est indispensable de pouvoir le faire. Le masque est ce qui nous protège le plus les uns les autres de la contamination par le virus, par la voie orale, donc c'est indispensable de le faire respecter. D'ailleurs j'ai eu l'occasion tout à l'heure au comité des élus dont je parlais, dans lequel sont invités les représentants de la CCI, de la CPME et des représentants des hôteliers et des restaurateurs aussi. On va refaire des campagnes parce qu'en fait, on s'aperçoit que les touristes sont là pour peu de temps, ce qui fait qu'on a beaucoup de gens qui tournent et donc il faut qu'on rappelle les règles assez régulièrement et donc on va le faire par leur biais, mais on le fait aussi par les contrôles de gendarmerie et de police qui permettent de faire respecter les règles quand c'est nécessaire. Alors, cette dame parlait de communication sur le port du masque. On voit un petit peu en Guadeloupe fleurir des panneaux 4x3. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser aussi ce biais-là pour alerter, pour dire aux touristes et rappeler aussi à la population qui a déjà pris le pli d'ailleurs que le port du masque est obligatoire. Oui, vous avez raison. D'ailleurs, il y a des campagnes de l'ARS qui sont lancées sur le sujet. La région avait communiqué aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur le port du masque. Et on va relancer ces communications, évidemment, sur le sujet. Voilà, autre appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, oui, bonsoir, monsieur le préfet. Bonsoir. Oui, j'appelle tout simplement, on est en période de pandémie, il y a tant de problèmes, tant de cas sociaux en Guadeloupe, tant de personnes en difficulté, des gens qui ont perdu leur travail. Et j'entends qu'il y a des conflits qui durent depuis des mois et des mois. Il y a l'hôpital de Maupertuis, il y a la carrière de D.E., il y a encore l'autre carrière à Trois-Rivières, là, qui font les gravats. Il y a tant de conflits qui sont bloqués depuis des mois et des mois. Des ouvriers qui n'arrivent pas à s'en sortir, ils ont passé Noël le 31 sur un piquet de grève. Personne n'en parle. Je ne trouve pas ça normal. Il y a le cas de Madame Billot. Il y a le cas de M. Jean-Pierre qui est décédé. Il y a trop de cas en Guadeloupe que personne ne dit un mot, s'il vous plaît. Dites-nous quelque chose parce que je sens que c'est quelque chose qui risque de prendre un mauvais tour. Merci de me répondre. Merci beaucoup. Merci. Merci, madame. Merci madame. Les sujets dont vous parlez, les trois conflits sociaux dont vous parlez, l'hôpital sur la côte sous le vent et les deux carrières sont des sujets qui sont bien connus et d'ailleurs qui sont en général relayés dans les médias. Ce sont des conflits qui durent depuis début décembre, donc pas des mois et des mois, mais effectivement c'est trop long, et c'est beaucoup trop long. Mais pour sortir d'un conflit social, il faut que les deux parties aient envie d'en sortir. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui les deux parties en présence aient envie de sortir de ces conflits sociaux qui ont généré d'ailleurs des blocages et ont obligé les forces de l'ordre à intervenir pour pouvoir libérer les blocages, puisque si la grève est constitutionnelle et protégée, en revanche les blocages, eux, sont interdits. Voilà, autre appel, et puis j'aurais voulu qu'on puisse aborder rapidement le sujet des collectivités locales, des finances des collectivités locales, puisque cela aussi fait débat en ce début d'année. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, tout simplement, je suis Guadeloupéen et je vis en métropole, c'est là que je réside, et je constate que le problème des coupures d'eau a peu évolué. Le dernier cas au Moule le confirme, c'est là que j'habite en Guadeloupe. Alors je me pose des questions, à quand des canalisations d'eau dignes de ce nom
et à quand des réparations acceptables dans le temps? Parce que mettre 3 jours, comme on l'a mis la fois dernière, c'est tout simplement, en 2021, inacceptable. Ça se voit dans les pays en voie de développement en Afrique, mais en France, ça ne devrait pas se voir. Donc je me pose la question, il faut absolument régler ce problème-là et qu'on arrête, si vous voulez, des bavardages incessants et qu'on se focalise sur le travail effectif pour faire des réparations. Je me suis permis d'écrire à monsieur, d'ailleurs, le préfet, à ce sujet, et je le dis parce que je vis en métropole, j'ai exactement le même problème de canalisation où je réside à Saint-Rémy-des-Chevreuses, et je peux vous dire que les réparations seront réglées dans la journée ou plus tard. Alors, je ne comprends pas. Merci, voilà. Monsieur. Merci. Mais je ne peux être que d'accord avec vous. Concrètement, le sujet de l'eau, vous avez raison, on en parle beaucoup depuis très longtemps et on ne voit pas les résultats concrets parce qu'on n'arrive pas à déboucher sur une structure qui va permettre de gérer l'eau, qui, je le rappelle, n'est pas de la compétence de l'État, mais bien des compétences des collectivités. Et quand il a fallu traiter dans l'urgence avec accord des collectivités et que l'État a décidé de réquisitionner un certain nombre d'entreprises, et bien c'est là qu'on a vu qu'on était capable, quand il fallait le faire dans l'urgence et quand on mettait des moyens adéquats, de pouvoir réparer un certain nombre de fuites, puisque il y a 4900 fuites, je crois, qui ont été isolées et 3900 qui ont été réparées sur les 8 mois de la réquisition. Mais je suis d'accord avec vous, je pense que voilà, je pense aujourd'hui, j'ai l'impression aujourd'hui que l'ensemble des élus l'ont compris aussi et qu'on avance vers cette structure qui permettra demain, c'est-à-dire 2021, de pouvoir correctement gérer les réseaux d'eau. En revanche, je pense que le problème j'en suis même certain, de l'arrivée d'eau dans les robinets des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens n'est pas seulement un sujet de tuyaux et de réparation ou de changement de canalisation, c'est surtout un sujet de gouvernance et d'organisation de ces réseaux d'eau et de connaissance de ces réseaux d'eau. C'est ça la première clé du sujet. Nous récupérons 2 derniers rappels puisque nous sommes presque arrivés au terme de cette émission. Bonsoir, vous avez la parole. Bonsoir Madame Boissy, bonsoir Monsieur le Préfet. Bonsoir Madame. Et bonne année. Voilà, devant chez moi, vous dites que ce n'est pas une question de réparation. J'ai une fuite devant chez moi depuis 3 mois. Je suis fatiguée de téléphoner. C'est plus un chemin que j'ai, c'est un canal. Mon chemin d'accès chez moi est devenu un canal. Et je ne suis pas la seule à habiter à cet endroit. Ça devient impossible. Et on a plein de moustiques à cause de l'eau qui stagne. Alors c'est vraiment désagréable. Et j'ai téléphoné 4 ou 5 fois, on me dit qu'on fait remonter, et puis ça remonte jamais. On dit bien en Guadeloupe, l'eau va remonter bonne, mais enfin. Et puis, je voudrais vous poser une question à propos aussi du vaccin. Le vaccin ne nous empêche pas d'être contaminés. Il ne nous empêche pas de contaminer quelqu'un. À quoi il sert? C'est la question que je pose. Est-ce que c'est seulement pour augmenter les actions du laboratoire ou pour vraiment nous sécuriser? Je ne sais pas. Mais je ne vois pas à quoi il sert ce vaccin. Si on doit toujours porter un masque et toujours faire attention et toujours... Avant, quand on était petit, on nous vaccinait et on n'attrapait pas ce pourquoi on était vacciné. Si. Et si on fait un vaccin qui ne sert à rien, je ne vois pas à quoi ça sert. Dépenser beaucoup d'argent. Merci. Merci, madame. Merci, madame. Alors, je vais vous répondre sur le sujet du vaccin. Alors, je ne suis pas médecin, mais quand on était petit, moi aussi, j'ai été vacciné. Et quand on est vacciné, c'est pas qu'on n'attrape pas la maladie. On attrape le virus ou le microbe. Simplement, le corps a appris à réagir et donc on n'a pas de symptômes et donc on n'est pas malade. Ce n'est pas la même chose que de ne pas l'attraper. Et donc, pour le vaccin, pour le Covid-19, c'est la même chose. Si vous êtes vacciné, vous l'attraperez, mais votre corps sera en mesure de réagir et d'empêcher les symptômes et la maladie d'arriver. En revanche, sur la deuxième partie de savoir si on peut transmettre ou pas la maladie une fois qu'on a été vacciné, comme je l'ai dit tout à l'heure, les études sont en cours pour savoir si, comme on l'imagine, on ne pourra pas transmettre la maladie. Mais il faut juste qu'on le confirme. Ensuite,
Si on a un taux de vaccination qui est important et qui permet d'avoir de la protection mutuelle dans la société, on ne portera plus les masques et on n'aura plus à respecter les gestes barrières demain. C'est bien tout l'objectif de cette vaccination. Simplement, ce n'est pas le jour où on est vacciné qu'on ne porte plus le masque, parce qu'il y a une période, comme je l'ai dit, une période pendant laquelle on n'est pas encore pleinement, notre corps n'est pas encore pleinement capable de réagir face à ce virus. Merci. Dernier appel. Bonsoir, vous avez la parole. Nous reviendrons sur cet appel d'ici quelques instants. Monsieur le Préfet, donc les finances des collectivités locales. Alors, en ce début d'année, on en a parlé. Vous avez alerté la CRC sur les finances de certaines communes. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a... c'est le grand reménage qui se fait au niveau des collectivités? Je crois que l'année 2020, malheureusement, a confirmé ce qui avait été déjà vu dans les années précédentes et que certaines communes ont commencé des redressements qui sont indispensables, mais beaucoup ont gardé le même niveau d'endettement et de difficultés budgétaires et de trésorerie. Je pense que les élections qui sont intervenues en 2019 ont mis des nouvelles équipes à la tête de communes qui vont entreprendre maintenant un travail de redressement qui est indispensable. Il y a un certain nombre de communes qui sont plus capables de payer leurs factures aujourd'hui. Et donc ça, c'est un vrai sujet de préoccupation. Nous ne sommes pas restés inactifs, puisque l'État, premièrement, a permis de garder le niveau des recettes des collectivités. Vous savez qu'un certain nombre de recettes ont pu diminuer du fait de la crise Covid. L'État a garanti ce niveau de recettes et a octroyé des financements en fin d'année dernière, et puis on fera le complément dans l'année pour que le niveau des recettes des collectivités reste les mêmes. Elle a octroyé des subventions exceptionnelles pour certaines communes qui en avaient besoin. On a octroyé des subventions exceptionnelles en décembre pour Pointe-à-Pitre, pour Basse-Terre, pour la communauté de communes de Marie-Galante, parce que voilà, il y avait un besoin urgent. Et puis surtout, comme le ministre s'y était engagé, le ministère des Outre-mer a adopté un plan particulier, dit de redressement Outre-mer, Corom, qui va être mis en place. Donc là, pour l'instant, ce dispositif existe. Il va permettre d'accompagner des communes qui sont en difficulté financière, qui sont suivies par la CRC et dont on sait qu'ils sont incapables de redresser la situation dans les deux exercices, dans les deux ans qui viennent. Il y a 12 communes qui sont éligibles à ce dispositif en Guadeloupe. Donc ça montre... Est-ce que vous les avez en tête? Non, je ne peux pas toutes vous les donner, mais enfin, je pense que réfléchissant bien, vous aurez à peu près le... 12, ça fait quand même un bon tiers des communes de Guadeloupe. Mais je pourrais vous donner la liste, je ne l'ai pas sous les yeux là. Mais je pourrais vous donner la liste. Et parmi ces 12, le ministère va en sélectionner une partie qu'il va accompagner dès cette année. L'accompagnement, ce n'est pas comme ce qu'on sur a pu connaître. Critères, voilà. Il y aura cette sélection. Alors les critères, ça va être les difficultés de la commune et la volonté réelle de la commune de pouvoir rentrer dans une démarche de restructuration. S'il n'y a pas cette volonté affichée avec des signaux clairs qui sont donnés, avec des actes qui seront pris par la commune, eh bien, il n'y aura pas d'accompagnement. Donc ça, c'est vraiment différent de ce qui était fait jusqu'à présent. La deuxième différence, c'est qu'on ne va pas octroyer de subventions d'équilibre de ces collectivités, parce qu'on sait que ça ne marche sur un exercice ou sur deux exercices, et qu'ensuite, ça ne marche plus. On va accompagner et à la restructuration de ces communes en les aidant, en mettant à leur disposition des cadres qui vont les aider sur les aspects financiers, sur les aspects techniques, sur les aspects RH, de ressources humaines, évidemment. Et puis ensuite, on pourra les aider pour les accompagner dans le long terme pour traiter leur endettement, c'est-à-dire de transformer les dettes qu'ils ont avec un système bancaire qui pourra les appuyer pour qu'elles permettent de retrouver de la capacité, parce qu'il ne faut pas que ces communes qui sont en difficulté aujourd'hui n'aient plus la capacité d'investir demain, parce que c'est ça la difficulté qu'on a. Ce sont des communes aujourd'hui qui sont dans de telles difficultés financières qu'elles ne peuvent payer que les salaires et que les dépenses courantes et qui sont incapables d'investir demain, et y compris incapables d'utiliser les subventions que l'État peut leur octroyer, que les autres collectivités peuvent leur octroyer, parce qu'elles n'ont même pas les 20% d'autofinancement qui sont nécessaires pour lancer l'opération. Est-ce qu'on peut dire que les communes se trouvent dans d'énormes difficultés parce qu'elles ont du mal à respecter les injonctions de la Chambre régionale des comptes? Je ne sais pas dans quel sens on peut le prendre. Elles ont du mal à respecter les injonctions parce qu'elles sont dans des situations compliquées, ou parce qu'elles se sont mises dans des situations compliquées, elles ne peuvent pas respecter les injonctions de la Cour des comptes. Voilà, ce n'est pas de la mauvaise volonté. Non, alors on espère que ce n'est pas de la mauvaise volonté pour certains.
On peut les identifier ? Non, je ne le ferai pas en ligne, mais... Non, mais voilà. On peut les identifier. Oui, je les connais. D'accord, nous récupérons donc le dernier appel, puisque malheureusement nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je sais qu'il y a beaucoup d'appels, mais ça sera pour une autre fois. Bonsoir, allez-y. Bonsoir. Et bonsoir, Madame Esblin. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais parler pour Monsieur le Préfet, c'est le Seigneur qui fait comme quoi ce soir je tombe sur lui. Monsieur le Préfet, moi je suis une retraitée. Depuis le jour du confinement, on nous a fait des dettes monter sur notre tête. Nous les retraités. Et on n'a jamais encore retiré aucun droit, aucune loi pour les retraités. Moi, je me trouve avec une tête chargée. Et encore, je vois M. Abelli, le maire de Bouillotte, qui envoie 290 euros à payer pour l'eau usée, qui tombe dans toutes les rasiers, dans toutes les ravins, partout, et qui veut nous payer ces dettes-là par de l'eau encore. Et que moi-même, j'ai déjà à peu près 5 000 euros de dette sur ma tête avec le confinement, parce que depuis au départ, on n'a rien donné jusqu'à maintenant aux retraités. Moi, je ne suis pas un retrait, je suis un retraité. Alors c'est pour ça, Monsieur le Préfet, je vous demande de faire appel à ceux qui s'occupent de ça pour mettre un droit pour nous, Monsieur le Préfet, avec tout notre respect que j'ai pour vous, et je sais que vous allez travailler pour nous. Parce qu'il faut surveiller les gens de la Guadeloupe. Toutes les mères, il faut le surveiller. Toute banque postale, il faut le surveiller. Parce qu'on m'a détourné mon argent encore. Je sens, je délire, monsieur. Mais je tiens mon cœur. Je suis malade avec le cœur. Le cœur commence à faiblir. Et je suis fermée seule dans une maison. La maison de la SIG est montée. Si on ne paye pas la SIG, nous met devant la loi. Et nous demandons 2 mois pour lui donner 1590 euros. Alors, je vous signale ça. Alors, monsieur le préfet, si vous voulez mon nom, mon adresse, je peux vous donner. Alors, hors antenne, à la technique, madame, on va récupérer vos coordonnées. Oui. Oui, madame. Merci. Je pense qu'il faut. Il y a beaucoup de sujets dans ce que. Beaucoup de questions dans ce que vous me dites, avec un témoignage qui mérite que je puisse creuser cette affaire. Donc, est-ce que vous pouvez laisser vos coordonnées et on va vous rappeler et je vais voir quels sont les problèmes que vous avez et comment on peut résoudre ces affaires. Merci, madame, pour cet appel. Donc. Cette dame nous laisse ses coordonnées hors antenne, monsieur le préfet, et ça, on le disait. La pauvreté, les retraités qui sont en grande difficulté. Alors, c'est vrai, il y a le plan de relance, mais cet aspect aussi, je pense, mérite qu'on puisse y attarder. Exactement, et c'est pour ça que j'ai demandé les coordonnées de madame, parce que je pense qu'on a beaucoup de dispositifs qui existent et on s'aperçoit que beaucoup de gens ne les connaissent pas. Et que donc, il y a des gens qui pourraient bénéficier d'aide, d'appui, d'aide, et qui ne le sachant pas, ne le demandent pas ou n'osent pas le demander. Et donc on a vraiment un travail à faire, et ça c'est avec mes services, on veut vraiment travailler sur la communication et sur le fait d'aller au devant des gens pour leur expliquer quels sont les droits auxquels ils peuvent avoir accès ou les aides. Cette dame elle a vraisemblablement des aides potentielles qui peuvent exister parce qu'il y a la CCAS de sa commune qui doit pouvoir intervenir, il y a des associations qui doivent pouvoir l'aider, enfin voilà, il y a plein de choses qui doivent pouvoir l'aider, qui peuvent pouvoir aider cette dame, mais il faut juste qu'on la connaisse et qu'on sache quels sont ses problèmes. Et j'ai retenu aussi la facture d'eau. Oui, mais moi aussi je l'ai noté. Ça revient, c'est Grand Sud Caraïbes. Ça revient souvent. Ouais. Et vraiment, c'est un vrai problème. D'ailleurs, c'était de l'eau et je crois, et l'assainissement, si j'ai bien compris. Oui, l'assainissement. Donc voilà, les deux sujets qui sont aujourd'hui en difficulté. Alors, quand on a une petite retraite, comment payer tout cela. En tout cas, merci Monsieur le Préfet d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je sais qu'il y aura quelques frustrations puisque vous n'avez pas pu poser vos questions, mais je pense que nous pourrons le faire une prochaine fois lorsque Monsieur le Préfet sera sur ce plateau. En tout cas, merci de nous suivre régulièrement. Excellente soirée à tous.